も死の国の実験体にしてやる。ん、貴重な実験体を逃がす。ありがてー、まだ仲間が捕まってんだ。助けてやってくれ。Oh là là, on a un champion là-haut. J'avais pas vu. Merci Antoine de m'avoir informé de ça. Mais elle est pas mal aussi, regarde. Elle est à 280 quand même, hein. Et il reste une minute. 441 KO à battre. Et le bougre, il est à 361. Il est à 400 là, 400. Ça y est, 400. Le record va être battu. Mesdames, messieurs. Bientôt 441 à battre. Il reste 30 secondes. Et il passe à 480. Record battu. Est-ce qu'il peut être rattrapé? Difficilement. Les 500 KO. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. C'est terminé. Il est où notre champion? Il est où notre champion? C'est fini, les gars. 529 KO. Que notre champion soit applaudi par ce peuple du jeu. En même temps, t'as tous les jeux chaque année gratuits chez nous. Hein. Alors, il repart, ce bonhomme, avec le jeu qu'on lui enverra. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez Bandai Namco. On vous offre les jeux que vous gagnez sur le tournoi. Bravo. Il est même pas content. Hein. Souris un peu, t'as gagné le jeu. Plaît-il ? Est-ce qu'on a le dernier ? Non, mais voilà, on me dit non, donc non. Alors, information, le 28 août, c'est la sortie, mais sachez que pour la version PC, c'est l'offre spéciale. D'ailleurs, on rappelle qu'il y a la loterie qui démarre. Adrien, est-ce qu'on est prêt pour toi? Est-ce qu'on est bien pour toi? Est-ce que l'équipe est prête, là? Alors, attention, l'information, la double information. La première, c'est qu'il y a effectivement, bonjour, 10% sur... Ah, ben, génial! Attends, je voudrais la vivre, la chose, là. Parce que oui, pendant une heure, à la boutique, qui est heureuse de vivre, mesdames, messieurs, pendant une heure, 2 tickets pour 5 euros au lieu de 1 ticket pour 5 euros. Donc pour le prix d'un ticket, vous en avez 2 et vous repartez, bien évidemment, pour cette Ichiban Kuji, c'est-à-dire la loterie japonaise. Tous les tickets sont gagnants, tous les tickets sont gagnants. C'est maintenant à la boutique, pendant une heure, c'est parti. Oula. Alors là... On parlait de One Piece tout à l'heure. On va plutôt être super discret. Du bruit quand même, s'il vous plaît, pour les cosplays formidables. Et il est 15h30, ça y est, on est en live. Est-ce que je regarde ma montre? Est-ce qu'il est 15h30? Est-ce qu'il est... Ah oui, il fait la photo. Est-ce qu'il est 15h30? Est-ce que tu peux me dire? Il est 15h30? Il est 15h30. Ça veut dire que donc, pour celles et ceux qui sont sur la côte est des États-Unis, et bien fait si vous avez pris français en première langue, eh bien oui, ça y est, pour vous c'est fin de matinée finalement. Et si tu es à Los Angeles, eh bien tu es en début de matinée, peinard, tu te lèves, et tu es en direct de Paris à la Japan Expo pour vivre le stand, bien évidemment, Bandai Namco, ici sur le Twitch. Welcome all around the world! On est là avec vous, live! Allez! Oui, ils sont bien, ils sont beaux tous les deux. J'ai failli te défoncer le nez, je suis désolé. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. En tous les cas, elle est toujours dressée et dure, tout va bien. Merci, en tous les cas, on a fait quelques photos. Et on va enchaîner. On va enchaîner. Oui, je l'ai annoncé. Qu'est-ce que... Ah oui, un petit hug. Un petit hug, oh quel plaisir. Oh, c'est un plaisir. Ah oui, encore un peu, je peux encore en faire un petit câlin? Oh, dis donc. C'est un bon... Ah, stop. Oh là 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 là, on me prive des câlins, moi, dis donc. Les petites photos qui vont bien. Et on va retrouver sur scène, avec plaisir... Rachid, on va évoquer maintenant
Gistanz. Et la question qui se pose, c'est Who will be the king of the hill? Qui sera le champion de la colline? Vous connaissez le principe. On vous offre en plus l'opportunité de gagner le jeu sur PlayStation 4 qui est à la vente. Eh bien, c'est cadeau pour l'un d'entre vous. Mais qui sera le champion? Le fameux roi de la colline, hein, faut pas l'oublier. Who will be the winner? Alors, Reda, s'il te plaît, augmente le retour si tu peux pour mon micro, le micro numéro 2. Allez. Donc le fameux King of the Hill. Bonjour à tous. Toi, t'as déjà gagné le jeu, si toi. Tu t'en vas, français, toi. Bien sûr. Tu t'en vas, on ne va pas jouer. Ouh. Ouais. Alors, on m'a appelé. Allez, on va vous proposer de venir jouer à G-Stars. Vous savez, le jeu qui est sorti il y a quelques jours à peine, et bien là, il va falloir venir ici, là, ici. Tu te rencontres et à l'arrière, là, souris à la caméra. Le monde vous regarde, les gars, sur le Twitch. Du bruit encore sur le Twitch Bandai Namco. Ça rime avec cadeau. Et si ça pouvait rimer avec bonheur, on le ferait aussi. Une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, parce que ça va changer donc 25 fois. Hashtag Héloïse, je change de timing. Alors, une demi-heure de G-Stars. Qui va venir jouer, bordel? Oh, oh. Non, c'est nul. C'est nul, on va... Moi, je les entends pas, je les entends pas. On va faire un arcanoïde à la place. Alors... On fait comment? T'en prends un, j'en prends un. Ok. C'est lui qu'il faut convaincre. Non, c'est mais, lui qu'il non, faut non, convaincre. Mais, voilà ce qu'on va faire, c'est que je voudrais voir du sourire dans les visages. Pourquoi je voudrais pas, voir pourquoi du pas. Sourire, je voudrais voir de la joie, je voudrais voir de l'enthousiasme. Moi, je vous entends pas. Qui veut jouer à G-Star ici? Ah ouais, y'en a, ils sont plein d'entre moi. J'en ai un dans la tête. J'en ai un. T'as je peux un, le prendre ouais, ou pas? Vas-y. C'est lui, là. Je veux que lui, il vienne. Je veux que lui, il vienne. Voilà, ah, viens. Mais si tu fais venir un judoka, alors. Parce que lui, il est quand même déterminé. Il a sa tenue de judoka, karatéka, peu importe laquelle. Et avec plein de pins et tout. Et il avait de l'entrain. Alors, si t'avais de l'entrain, tant que c'est le TGV, on enchaîne. Alors... Là, quand même, alors, pour qui? Qui? Eh bien, tu sais quoi? Regarde bien. Moi, je vais choisir une demoiselle, tu vois, encore une fois. Oh, bien, c'est bien. Mignon. Non, fais le tour, fais le tour. Il y a des escaliers. Je comprendrai voilà, jamais, ouais, hein. Il voit qu'il y a un rebord blanc et tout, il veut la tout prix passer par là, tu sais. Tu sais que c'est un truc de malade, regarde, ça va être plus facile par là, t'as vu? Tu sais quoi? Le monsieur va garder tes affaires, donc tu vas retirer ton sac à dos et ton sac, et le monsieur gardera tes affaires. Toujours Ichiban! Ichiban, dépêchez-vous! 5 euros de tickets, 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 5 euros de tickets. Et vous avez peut-être le numéro de la blonde au comptoir des boutiques à dégagner, bien sûr, dans le concours, je précise, 5 euros. Imaginez juste pour 5 euros, vous avez peut-être le numéro de la blonde qui est là, ouais, ça fait toujours plaisir quand même. Hein. Non, enfin, vous avez surtout des figurines, vous avez surtout de beaux cadeaux. Et des figurines qui font Bandai 25 cm. Namco, allez. Let's go. Allez, je te laisse. Ouais, on va pouvoir donc partir sur G-Stars. J'espère que vous allez pouvoir profiter pour ceux qui connaissent pas les jeux. Regardez bien ce que c'est. Vous avez à peu près toutes les stars de manga quand même à l'intérieur. Là, je suis en train de voir je vais attendre le choix des personnages parce que on peut avoir des assists, hein, tout simplement. Vous êtes en train de le voir à gauche sur le genre numéro 1. Et puis après, bien sûr, voilà, genre numéro 2, c'est bon. On est parti. Donc, quel niveau a été pris? Ça y est, ça a été choisi. Donc, je pense que vous les reconnaissez tous les quatre, hein, ici, tous ceux qui sont normalement à la Japan Expo. Vous devriez les connaître. En fait, on doit mettre tout simplement 3 fois KO son adversaire. Juste de vie mise en bas et le nombre de KO mis en haut. Vous allez voir ça tout de suite, hein, bien sûr. Ah, bien sûr, Yusuke, hein, Romichi, très connu. Son assistant, Ratch. Et normalement, le troisième assistant, Jaguar Junichi. Donc, pour ceux qui connaissent, moi, je vous invite quand même à regarder tous ces mangas qui sont vraiment énormes en face. Natsushi Yosawada et le rebound, hein, bien sûr, avec la charmante Chitoge Kirasaki en assistant, en soutien, bien sûr, comme vous êtes en train de le voir en haut à droite. Et comme dernier et deuxième soutien, Meisuke Noeno. Et franchement, ils sont quand même badass, hein, donc il faut vraiment le dire. Et ça y est, c'est parti. Donc, comme vous êtes en train de le voir au-dessus, on a deux bas. Vous pouvez vous dire, mais à quoi ça sert? En fait, c'est le nombre de KO pris dès que un joueur atteint les 3 bas, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a été mis KO, une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, c'est la gueule de perdu. Vous avez les
jauge de vie. Vie en bas de chaque personnage que joue. Vous avez le temps, bien sûr, à partir sur toute la gueule. Vous avez aussi la carte pour vous, tout simplement, de savoir où est situé votre soutien. Alors, s'il peut venir vous aider, ou si vous voulez qu'il lance des attaques spéciales ou ce genre de choses. Là, vous êtes en train de voir que la jauge en dessous de ce que je vous ai dit est plutôt du côté de l'éclair rouge. Donc, si elle est chargée à fond, c'est une attaque spéciale, c'est un burst en fait qu'on peut faire et lancer. On a déjà un premier KO mis du côté de la part du joueur 2, donc ça met une barre de rempli, ça y est c'est bon, la spéciale qui va pouvoir être lancée, le burst, bien sûr le burst final, le burst de l'amitié avec Yosuke et Rao qui va pouvoir être lancé là directement et ça y est c'est parti. Donc on est en mode burst, donc les attaques voilà vont pouvoir faire très 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 mal hein, Yosuke comme vous avez l'habitude. Allez, lance des Kenkinama avec son doigt. Rachide, Rachide, une seconde attention pour rappeler pour deux tickets achetés, et bien on vous en donne 4 parce que oui, ça me rappelle quelque chose. D'accord. C'est 2 pour 1, dépêchez-vous et ça gagne encore. Et vous avez donc cette fameuse tombola japonaise. On précise que les tombolas japonaises c'est quoi? Vous achetez un ticket à 5 euros, vous en avez 2. Je précise que maintenant, qu'à partir de maintenant, vous pouvez gagner des grandes figurines. Vous êtes obligé de gagner. Dans tous les cas de figure, vous gagnerez quelque chose. Et on a quand même mis des très 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 beaux lots à l'intérieur. Hier, on a eu 5 personnes qui sont parties avec des figurines de 25 cm. C'est de White Piece, c'était vraiment énorme à voir. Et donc on est reparti, donc dans le match on a, je viens de voir qu'on a eu quand même un KO mis de chaque côté. Donc du côté du burst c'est plutôt au côté joueur numéro 2, mais joueur numéro 1 qui se laisse pas faire, ça continue à enchaîner en plus avec les soutiens. C'est très 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 bien joué là pour l'instant, quand vous êtes en train de le voir en plus en plein live. Ils sont montrés avec le beau profil hein, de la demoiselle hein, quand même il faut avouer, même si on voit que ses cheveux. Ah non, c'est le monsieur qu'on regarde là. Ah là, aïe, il est déterminé, c'est terminé. GG, qu'est-ce qu'il vient de gagner là? C'est toi, on peut lui donner quelque chose quand même, reste assis, tu restes le King of the Hill. Et mademoiselle, quand même pour avoir participé, merci beaucoup, quel beau sourire. Vous allez pouvoir partir avec un petit truc, c'est normal, hein, pour participation. Qui veut jouer à G-Star? Le principe est très simple, le King of the Hill, donc c'est le monsieur qui est là pour l'instant. Celui-là qui le détrône, il pourra rester bien sûr jusqu'à la fin de l'animation. Et celui-là qui est resté gagnera le jeu sur la plateforme de son choix, mais en général on prend toujours les next gen. Hein. Qui veut jouer? Ah, j'entends pas. J'entends rien. Bon, attendez, j'ai cru en voir, voilà toi, avec ton éventail, oui toi, viens monter, viens jouer à G-Star. Viens jouer à G-Star. Installe-toi le bro, bienvenue. Allez, installe-toi. N'aie pas peur de la caméra, t'es un PG, t'as vu de profil, c'est normal. Pense à toutes les demoiselles qui regardent là. Franchement, pense à toutes les demoiselles. Oublie pas ce Ramadan. Et donc, on va pouvoir continuer là-dessus. Donc, c'est très simple. Tu le bats, tu restes King of the Hill. Donc, tu restes à avoir une chance pour pouvoir gagner le jeu. Si tu le bats, tu restes le King of the Hill. T'as toujours ta chance de pouvoir gagner le jeu. Je sais pas, donc faut que tu continues à gagner, bro. Je sais pas, mais normalement, on devrait bientôt... Oh non, on a le temps quand même devant nous. Donc, et n'oubliez pas encore une fois, à la boutique de Bandai Namco, vous avez donc cette fameuse tombola japonaise. Et tombola japonaise, c'est très simple, on ne perd jamais. On met 5 euros, vous avez 2 tickets, c'est que à partir de maintenant que vous pouvez l'avoir. Et vous êtes obligé de gagner quelque chose. Peut-être un poster, peut-être une figurine de 10 cm ou de 25 cm ou de classe A, sont un peu plus grandes, mais c'est quand même un peu plus rare. Et donc voilà, je vous invite vraiment à y aller, c'est que en ce moment à la boutique de Bandai Namco. Pour 5 euros vous avez 2 tickets de tombola pour pouvoir gagner quelque chose. On va pouvoir donc passer sur le match. Donc, alors Yusuke avec, donc si j'ai bien compris, Ichigo, ok d'accord. Ah non, c'est les personnages de soutien. Ok, on va pouvoir faire les petites présentations en début de match, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Mais franchement, sur le G-Star, moi, je le kiffe. Dès que j'ai vu que ça a été annoncé la sortie sur les consoles next-gen, donc PlayStation 4, on précise, c'était vraiment énorme. Je me suis dit, je vais pouvoir jouer avec n'importe qui, que ça soit Gon, Ichigo, bien sûr, là que vous êtes en train de le voir, Ichigo Kurosaki, notre Shinigami préféré, hein, faut quand même l'annoncer. Et en soutien, on a Yusuke. Mais non, je veux la présentation des persos, moi. Je veux la présentation des persos. Bon, voilà. Monsieur Koro, hein, bien sûr, en joueur numéro 2. Et Yusuke, en joueur numéro 1. C'est ta grande sœur ou ta petite sœur? Ta grande sœur, ton prénom? Et elle? Shainé. Alors, Shainé, si tu m'écoutes, Safa, elle t'attend au stand Bandai Namco.
Hein, elle est là, elle t'a perdu, hein, tout simplement. Tu l'as lâchée, c'est pas bien. En pleine période de Ramadan, en plus, hein, c'est vraiment... C'est la chouma, hein, franchement, c'est la chouma, faut l'avouer. Faut l'avouer. Donc, voilà. Shiny, si tu m'entends, ta petite sœur, elle est ici au stand Bandai Namco. Et elle est en train de jouer à Dragon Ball, je ne sais pas, mais elle sera là. Elle sera là, elle t'attend ici. Donc, Shiny, si tu cherches ta petite sœur, Safa, elle est juste ici. Et nous, on va pouvoir repartir sur le match. Et là, je suis en train de voir qu'on a déjà un KO demi. Et là, Ichigo, le burst final. Bien sûr, le burst de l'amitié directement mis avec les soutiens. Une attaque qui normalement devrait faire quand même très mal. Comme vous pouvez voir, en fait, Ichigo est déjà dans sa forme de Bankai. Et voilà, Yusuke, Genkidama avec le doigt. Allez, c'est parti, bro. Bam, ça va être lancé. Même sans Goku, je pense pas qu'il pourrait faire ça lui aussi. Tu vois, je pense pas que ce sera le cas. Et ça relance un deuxième, ça en profite. Et bam. Et normalement, oh, c'est esquivé, GG. Ça a été esquivé directement pour pouvoir éviter, mais non, on a toujours un KO demi, on est toujours en petit mode burst, on précise que vous voyez les éclairs là juste au-dessus du côté des deux personnages, et ça charge, et ça relance, ça fait quand même très très mal, hein, vous le voyez, hein, la barre de vie sur pour Monsieur Coron, hein, dans le bleu, dans l'équipe bleue, dans le joueur numéro 2. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est pas éteinte, mais rejoue. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver, ça peut arriver. Petit problème technique, mais on va pouvoir continuer donc. Aïe, 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 ça fait très mal. Là, Monsieur Kuro qui commence à avoir très mal. Il faut vraiment qu'il se réveille. Là, par contre, le burst qui va directement du côté de l'équipe bleue. Ichigo, là, qui a bien été lancé, hein, bien sûr, du côté de Yusuke au niveau du soutien. Qu'est-ce que ça a donné à Triangle? Le triangle qui n'a pas été utilisé, là, par contre, là, sur ce combat. C'est dommage, par contre, mais ça lâche rien du tout. Ça lâche rien du tout. Le joueur numéro 2, là, qui pourrait peut-être pouvoir lancer son burst s'il savait pouvoir le faire. Oh là là, c'est vraiment très chaud. Là, par contre, Yusuke qui recharge. J'ai encore son doigt et pour pouvoir lancer une attaque, c'est énorme. Et là, le joueur numéro 2 qui va peut-être atteindre son deuxième KO. Yusuke, il a quand même encore plus de la moitié de sa vie, faut vraiment le préciser, hein. Il gère plutôt bien, il reste 165 secondes, on a encore le temps pour un dernier KO, je pense. Ouh, Monsieur Korolek qui a bien lancé ses attaques. Bien sûr, je précise que cette barre juste en dessous de la barre de vie sert à quelque chose, hein. C'est pour pouvoir lancer toutes ses attaques spéciales ou un double KO. Bien joué les bros, double KO, ça existe aussi dans le jeu, on le précise. Donc cette barre en dessous sert pour les esquives ou les attaques spéciales, on précise, hein, bien sûr, et c'est fini!